Voilà, toutes mes excuses pour le quoi technique. Il a fallu tout redémarrer l'ordinateur et le programme. Ce sont des bugs liés à ce programme, généralement très bien. Euh, mes excuses, j'avais vérifié encore un peu plus tôt. J'ai le plaisir d'accueillir de nouveau, et euh, ça fait il n'y a pas longtemps, Frank Willems, un des meilleurs spécialistes de la Chine, je pense. En tout cas, quelqu'un qui vérifie ses informations, qui vérifie les sources. Et ça, ça va être précieux. Et aujourd'hui, on a choisi de parler des Ouïghours en Chine. Vous savez bien, vous avez ça dans vos journaux et dans votre télé euh, périodiquement, et surtout beaucoup maintenant, que la Chine opprime les musulmans, qu'il y a un million de Ouïghours en camp de concentration, que c'est un génocide culturel. Et donc, comme d'habitude avec InvestiAction, on va vérifier. Et poser la question que chaque média devrait poser en commençant à écrire sur un thème, quelle est la source Est-elle fiable Franck, la source de toutes ces informations qui sont dans nos médias, c'est qui mmh. Eh bien, la source, euh, il faut remonter euh, pour cela jusqu'à l'année passée, juillet euh, 2018, euh, où il y a une réunion de d'un comité euh, des droits de l'homme des mm -hmm. Nations Unies et à ce comité il y a une experte américaine euh, qui prétend qu'il y a plus d'un million de qui mm -hmm. sont internés dans des camps euh, de rééducation alors elle ne donne même pas de source elle dit de source fiable. des sources fiables de sources fiables le lendemain l'agence Reuters elle va reprendre cette information et elle va prétendre que le comité des droits de, de, droit de l'homme des Nations Unies a déclaré. Ah oui, carrément. Alors que c'était l'expert américaine, carrément. Et mmh. puis le surlendemain, on retrouve tout ça dans les médias chez nous. Et puis alors, on est allé chercher quelles sont les sources réelles, puisque l'experte américaine parle souffriable, et on en a trouvé deux. Euh, la première source, c'est le China Human Rights Defenders, mmh. une organisation américaine qu'on peut retracer euh, jusqu'au gouvernement américain, qui dépend euh, du gouvernement américain par un financement américain. C'est créé actuel. et financé par le gouvernement oui, des États-Unis. Oui, 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 oui. Et euh, qui est arrivé à la conclusion qu'il peut y avoir un million, même plus de gens dans des camps, ce qu'ils appellent des camps de concentration, sur base d'interviews avec huit dissidents ouïghours à l'étranger. Huit, mmh. je Alors, dis bien huit. Huit. Alors, euh, des précisions, parce que tout le monde ne sait pas forcément oui. de quelle région on parle. Est-ce qu'il n'y a que des ouïghours dans cette région Combien y en a-t-il En fait, euh, les ouïghours vivent dans le Xinjiang, c'est mmh. l'extrême ouest, le far ouest de la Chine. Oui, à peu près 20 millions de personnes, euh, à peu près la moitié sont des Chinois Han, et l'autre moitié, à peu près, c'est les Ouïghours, oui, qui sont des musulmans euh, turcs. J'ai lu 24 millions au Xinjiang, dont 10 millions de Ouïghours, les Han, l'ethnie majoritaire, et encore quelques autres minorités. Alors, si je comprends bien, euh, si on fait les calculs, 10 millions de Ouïghours, 1 million dans des camps, ça veut dire qu'un homme adulte sur deux est dans les camps. Pourtant, il y a beaucoup de gens dans les rues, apparemment. Et l'info, c'est ridicule. Euh, après, après, on a même dit plus d'un million, un mmh. million et demi, deux millions, tous les chiffres sont ridicules. Donc, il n'y a plus dans la rue. Euh, c'est ridicule, c'est exactement ce que le gouvernement chinois a déclaré. Ce sont des chiffres qui sont euh, ridicules. Après, on a essayé de justifier les chiffres par un autre soi-disant expert, un certain monsieur Adrian Sens, un oui. américain, euh, qui lui a fait des études, des estimations en se basant sur des photos aériennes de soi-disant, quand il a étudié les photos, et de là, il a essayé de déduire le nombre de gens qui pourraient être là-dedans. On montre des photos parce que ça fait chic, ça ben fait... Oui, oui. On l'a vu, ça existe, les photos sont ça. là. Et puis, oui, il les photos a... ne disent rien. Et puis, il a étudié le budget de la police, etc., pour arriver à, à des chiffres allant de plusieurs centaines de millions à un, de plusieurs centaines de milliers jusqu'à un million euh, de gens. Alors, ce monsieur Zenz... Euh, C'est un fondamentaliste chrétien oui. qui a reçu comme vocation de Dieu de combattre le communisme chinois mm -hmm. et qui travaille euh, pour un comité américain, le Mémorial pour les crimes du communisme, mm -hmm. euh, qui Ça à l'époque s'occupait de l'Europe de l'Est et des, des, mm -hmm. de l'Union soviétique et maintenant. Qui s'occupe de la Chine. Donc et vous voyez d'où ça vient. Et c'est de l'argent de la CIA ah, qui, est, qui est derrière. Bien on sûr. On peut euh, peut-être voir, donc on parle ici du World Uyghur Congress. De temps en temps, on trouve que ce sont des organisations des droits de l'homme Uyghurs. Qu'en est-il de celle-là Le World Uyghur Congress, c'est une, une association, enfin l'association la, principale des dissidents Uyghurs qui vivent à l'étranger. Et euh, le World Uyghur Congress, euh, est un, une organisation euh, franchement séparatiste. Mm -hmm. Donc, il veut séparer le Xinjiang euh, du reste euh, de la Chine donc, et créer un État de ce qu'il appelle le East Turkestan, le Turkestan de, de l'Est. Et cette organisation, euh, elle a, dès le début, été soutenue par les États-Unis financièrement. Et ça continue jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on a des preuves sur ce financement par les États-Unis ben, On peut le lire dans les documents officiels de, du National Endowment for, for Democracy, donc, qui, qui est donc le paravent la, qui distribue paravent de la de la CIA. CIA avant, ça. la CIA le faisait en direct et maintenant, ça. Donc, ça passe par là. J ai, j ai et donc, vérifié. ici à l'écran, qu'est-ce qu'on voit là avec le célèbre pacifiste ben, George Bush le, le Congrès a été fondé en 2003. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est la première présidente, euh, Ravi Kadir, une femme d'affaires euh, ouïghour mm -hmm. qui s'est enfuie de la Chine au moment où elle était accusée de fraude, etc. etc. Et donc, euh, elle, elle, euh, elle rencontre le président Bush à l'époque. Donc, elle était la première présidente du Ok, et du World donc, ouïghour. derrière ce charmant duo, on a les documents de la NET elle-même qui oui. dit tout simplement qu'elle est en train, j'espère que oui. vous arrivez à le lire, 246 000 dollars en 2017 pour le Uyghur Roman Rights Advocacy, 354 000 dollars en 2018, encore une autre quasiment 300 000 dollars. Donc en fait, toute une série d'organisations Ouïghours sont financées par le gouvernement des États-Unis et Celle-là est là la principale qui, qui est avocate de, de l'indépendance. Et mmh. qui justifie donc les attentats terroristes, etc. etc. Bien qu'elle euh, elle, n'organise pas les attentats terroristes elle-même, elle les justifie parce que c'est la lutte pour l'indépendance et parce que le peuple ouïghour est opprimé par la Chine, etc. etc. Oui, alors, voilà. euh, ça c'est justement le non-dit de toute cette histoire, c'est qu'on parle beaucoup des attentats de Daesh. On n'en parlait pas tellement en Syrie et en Irak, mais depuis qu'il frappe en France, en Belgique et d'autres pays comme ça, là, on en parle beaucoup. Est-ce que dans toute cette histoire, il y a quelque chose que les médias occidentaux ne disent pas à propos de cette situation en Chine C'est-à-dire qu'ils parlent très peu des attentats terroristes. Mm -hmm. Et en général, lorsqu'ils en parlent, ils disent des attentats que la Chine considère comme terroristes. Mais en fait, les médias suggèrent que c'est la lutte pour la liberté. Mmh. C'est ça. Donc les terroristes sont présentés ah, comme des, oui. des, des combattants pour la, pour, la pour la démocratie la en pour Chine. La, pour la démocratie, bon, c'est un peu ça. Mais ça, c'est une accusation un peu forte. Euh, c'est qui exactement C'est Al-Qaïda C'est Daesh en Chine C'est qui Les attentats terroristes au Xinjiang ont commencé dans les années 90 et ça a continué au début du siècle. Euh, et en fait, euh, l'organisation la plus connue, c'est l'ETIM, le East Turkestan oui. Islamic Movement, euh, qui s'est aussi battu en Afghanistan, à côté d'Al-Qaïda. Et Alors... donc, on retrouve les militants de l'ETIM à Guantanamo. Alors, une petite question. Donc, les, les teams c'est le Eastern Turkistan, Turkistan Islamic Movement. Islamic oui. Movement. Et il y a des liens avec Al-Qaïda. Oui, avec... tout à fait, oui. C'est la section. C'est la locale. section locale d'Al-Qaïda, oui. Euh, donc, tu me disais qu'ils ont fait leurs premières armes en Afghanistan. Oui. Et que les États-Unis ont considéré ce mouvement qu'ils soutiennent indirectement maintenant comme étant des terroristes, puisqu'ils les ont mis à Guantanamo. Ils les ont mis à Guantanamo et puis après finalement ils les ont libérés. Ils les ont pas envoyés en Chine, ils les ont libérés. Euh, le, le, le mouvement, le financement du mouvement vient de l'extrême droite turque, parce mmh. que c'est des Turkmènes, les Ouïghours, et donc euh, l'extrême droite turque. Le mouvement pan-turc. Mmh. Le euh, mouvement pour l'expansionnisme de la Turquie, Turquie dans d'autres régions. C'est ça, c'est ça. Donc le, le financement vient par là, et alors probablement indirectement des États-Unis. On va revenir euh, tout à l'heure sur l'analyse stratégique des euh, États-Unis. En et les premier États c'est les, les pan turque qui mais, ont soutenu euh, les types. Mais j'aimerais oui. qu'en premier, on montre, puisque ce n'est pas montré dans nos médias, ce que font euh, ces étimes, ces terroristes euh, au Xinjiang. Ici, on a une photo. De quoi s'agit-il Ici, c'est une photo de, euh, si je ne me trompe pas, de Kunming. Donc, c'est un attentat qui a eu lieu en 2014-2015. 2014, 2014 d'après. Euh, qui oui. a fait une trentaine de morts à Kunming. Donc, Kunming est une ville qui se trouve à plus de 1000 km, 2000 km du Xinjiang. Donc ça, ça a été un choc pour la Chine. Et ce sont des civils, qu'on voit dans la ce rue. Ce sont hein. des civils dans la gare de Kunming, la gare ferroviaire. Il y a eu beaucoup d'attentats au Xinjiang même, beaucoup, beaucoup, de, de dizaines avec des centaines de morts. Mais le grand choc, ça a été euh, l'attentat à Kunming euh, dans une toute autre province où il y a de, une trentaine d'innocents qui mmh. sont euh, mort. On a ici aussi une photo d'un attentat sur la place Tiananmen, la célèbre place oui. centrale de Pékin. Oui, 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 oui. Et euh, de quoi s'agit-il là C'est à peu près la même époque. Mm -hmm. euh, et ça a également choqué la Chine parce qu'il y a des terroristes qui sont arrivés avec une Jeep euh, et qui sont rentrés dans la masse des gens qui, qui, qui se trouvent sur la place ils en ont tué autant qu'ils pouvaient. C'est le même mode opératoire qu'à Nice ou un camion, oui, tout fonce à ont dans la foule. Ça, ils, ils et donc, c'est des, des civils, des touristes. Oui, euh, c'est ça. Oui, 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 oui. Maintenant, il faut se dire qu'on euh, a parlé de l'ETIM. Entre-temps, l'ETIM, c'est devenu l'ETIP, le East Turkestan Islamic Party. Mm -hmm. Et eux, ils sont très actifs en Syrie. Et on dit qu'ils sont même actifs en Libye, mais en Syrie, c'est certain. Alors, la première photo qu'on a montrée était effectivement en Édib, Syrie. Oui. Et donc, ici, j'ai un document qui présente des combattants Ouïghours à Idlib, en Syrie. Là, Idlib. Donc, là, ils sont toujours affiliés à Al-Qaïda. Ils ne sont pas directement du côté de Daesh, c'est Al-Qaïda. Mm -hmm. Et euh, selon les sources, il y aurait à peu près 800 combattants euh, Ouïghours à Idlib jusqu'à d'autres sources qui parlent de 18 000 combattants avec leurs familles. Donc, Donc, en théorie, les États-Unis et l'Europe combattent les terroristes ouïghours à Syrie. Oui. Je dis en théorie parce que c'est devenu très relatif, mais enfin, personne ne va dire qu'on les soutient, mais en Chine, on les soutient. En Chine... Toutes les tous les attentats tous les attentats en Chine ont été revendiqués par les tim par les types oui, etc. Ici nous avons un bonhomme voilà. qui euh, revendique c'est ça l'attentat de Tiananmen contre des ça. touristes. C'est ça. Alors on ne va pas défendre ces attentats. Mais on va dire quand même, peut-être les Ouïghours ont des bonnes raisons pour... C'est la faute de etc., Pékin. C'est une attitude ambiguë. On ne va non. jamais la défendre. Le terrorisme est euh... mauvais chez nous. Oui. En Syrie, ça dépend. Oui. Et en Chine, euh, il compréhensible. est... Compréhensible. Voilà. voilà. Euh, alors, on attend souvent dire aussi que, les, euh, que la Chine, Pékin... Euh, persécutent les musulmans et que le problème c'est que les vigours sont musulmans qu'est-ce qu'il en est de l'islam euh, au Xinjiang et en Chine en général ben, il y a, il y a, la Chine a une, une politique générale vis-à-vis -vis des minorités ethniques il y on en les a protégés, beaucoup non il y en a 55 mm -hmm. on les protège, on, leur, on protège leur culture on essaye de les sortir de la pauvreté parce qu'en général ils vivent dans des régions pauvres mm -hmm. Et la Chine a une politique générale vis-à-vis -vis des religions. Les religions reconnues sont protégées et sont libres. C'est-à-dire les religions reconnues, l'islam, euh... le catholicisme. Le, cat... le, le le catholicisme, christianisme avec oui. tout, toutes ses variantes, le bouddhisme, le taoïsme et euh, l'islam. Il y en a quatre. Il n'y a pas de problème, il y a eu dans la révolution culturelle, pour bien toutes sûr. les religions, bien mais sûr. maintenant, mais non, depuis longtemps, euh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a une bonne entente avec toutes les, les religions. Euh, alors, bon, cette politique s'applique aussi bien euh, au Xinjiang qu'ailleurs, mm -hmm. bien sûr. Lorsqu'il y a une radicalisation, euh, lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui radicalisent, qui, qui veulent appliquer à un islam extrémiste, mm -hmm. qui mène au terrorisme, là, là il, on intervient. On intervient, c'est logique. Moi, j'ai lu mais que dans le dans protégé. cette région, oui. le voile était autorisé, oui. même le voile intégral, et maintenant, ça a changé. Effectivement, euh, j'entends que maintenant, ça a été interdit, mais. On le comprend pour des raisons de sécurité, parce que c'est un voile intégral qui, qui ah oui. peut facilement servir à cacher des terroristes. Ici, donc, tu m'as transmis une photo oui. que tu as prise toi-même. Moi, j'ai pris cette photo il y a dix ans. Ah, ah oui. Vous voyez, les femmes se baladent dans la rue comme ça, il n'y a même pas de trou pour les yeux. Hein. Mm -hmm. bon, bah, vous donc comprenez, ça, euh... dans une situation d'attentat touristique, vous comprenez que les autorités n'aiment pas ce genre de voile-là, qu'ils les interdisent. Alors, justement... Euh, la Chine réprime le terrorisme. Euh, je suppose que c'est un peu strict, un peu rigoureux. Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus qu Comment ça se passe ben, Disons que la, la population au Xinjiang et ailleurs en Chine demande que le gouvernement leur assure la sécurité. Mm -hmm. euh, il y a eu des attentats, des dizaines d'attentats au Xinjiang, mais les attentats de Kunming, euh, de Pékin, ça a réveillé la, la population chinoise qui dit ben, Qu'est-ce que vous faites pour, pour nous assurer la sécurité mm -hmm. Et donc, la, la répression est, elle est sévère au Xinjiang. On contrôle, on contrôle tout mm -hmm. pour éviter euh, qu'il y ait encore des attentats. Et il faut dire que depuis trois ans, il n'y en a plus eu. Mm -hmm. Donc, on contrôle. Alors, le contrôle en Chine, et ce n'est pas uniquement au Xinjiang, c'est dans toute la Chine. On, on opte pour l'instant d'aller dans la direction de la reconnaissance faciale. Donc l'identification mmh. se fait sur base de reconnaissance faciale. Partout en Chine maintenant. Oui. Évidemment, Mais... c'est un peu inquiétant. Ce n'est pas très plaisant pour la vie privée. Quand on en parle dans les médias euh, occidentaux. On dit euh, la Chine, vraiment, elle espionne tout le monde. La NSA, bizarrement, ça, ça n'existe plus. Mais on ne dit jamais que c'est par rapport à cette menace terroriste qu'ils ont développé ça. Ils ont développé ça et maintenant, ils, mmh. la reconnaissance faciale, euh, ils vont l'utiliser de plus en plus dans tous les domaines de, de la vie. Par exemple, euh, on, on va bientôt pouvoir payer. Mmh. Seulement en, en montrant son visage, voilà, on dirait je suis d'accord et, et on paye. Mm -hmm. Donc il y a plein d'applications euh, maintenant pour entrer dans des sites touristiques. Moi, moi quand je vais en Chine, j'entre dans un site touristique. On fait déjà la reconnaissance faciale, donc c'est déjà partout. De toute façon, Et nous l'avons dans nos aéroports oui. aussi. Donc, bah ben oui, bah ben oui. Si euh, Jusqu'à présent, bon Europe, ça, ça semble être accepté par la population, qui dit bon, :« Bah, ben, c'est un bon moyen pour assurer notre sécurité. » Il y a quelques voix dissidentes. Il y a eu un professeur qui a commencé un procès hum. euh, contre. Personnellement, je trouve pas voilà. ça très sympathique. J'aimerais mieux non. Oui. Euh, je n'ai rien de grave à cacher, mais je veux dire, euh, la, il me semble que le respect de la vie privée, oui. savoir où les gens vont, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils rencontrent, c'est quand même euh, désagréable. Mais c'est un peu toujours est pas comme bon ça pour la liberté de la presse euh, non plus. On, on commence avec quelque chose et puis si après quelque temps, il y a une réaction de la population ou d'une partie de la mm -hmm. population qui dit, ben, ben non, ça va trop loin, ils vont corriger le tir. Donc euh, ça dépend un peu. Si, si les gens l'acceptent, ça va. Si on a des réactions, ben ils vont corriger. Mais pour bon. l'instant, c'est comme ça. Alors, on présente ici en Occident que la communauté internationale est totalement opposée à la Chine et à ce qu'elle fait sur les Ouïghours. Est-ce que c'est ta vision aussi de par rapport aux pays musulmans, par exemple ben, il y a un très net clivage entre les pays occidentaux, y compris le Japon, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, oui. et euh, d'autre part, les pays en euh, voie de développement et, et le reste du monde. On voit Donc, c'est l'Occident qui, euh, qui le critique et les autres. Alors, oui. on a pris ici une déclaration oui. euh, sur le problème Uyghur à l'ONU. Euh, en haut, vous avez les pays qui ont critiqué, et donc comme tu dis, ce sont tous les pays euh, oui, liés aux États-Unis, euh, c'est oui, l'Occident. Euh, tandis qu'il y a deux, encore plus que deux fois plus de pays qui ont soutenu la Chine dans cette affaire. Et là, je vois, donc c'est tous des pays du Sud, et je vois en gras toute une série de pays euh, musulmans, Algérie, Bahreïn, Égypte, Koweït. Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Arabie saoudite, donc pas forcément des grands amis du communisme, mais qui quand même ben oui, disent ben oui, ben oui, ben oui. Euh, que la Chine, là, n'a pas tort de... Bah ben oui. Okay. Ce qui est donc... intéressant aussi, c'est de noter que les pays en Asie centrale, le euh, Turkménistan, le Tadjikistan, euh, soutiennent la Chine. Mm -hmm. euh, par contre, la Turquie n'y est pas. Comme je disais, la Turquie... Euh, joue un rôle un peu ambigu, euh, puisqu'il y a certaines tendances politiques en Turquie qui, qui soutiennent la, le mouvement séparatiste euh, ouïghour. Oui, alors on va venir maintenant aux stratégies derrière tout ça. Je montre la carte où se trouve le Xinjiang, parce que peut-être j'aurais dû la montrer plus tôt et certains lecteurs ont dit mais c'est où Là, un petit commentaire sur ce qu'on voit dans cette carte colorée. C'est-à-dire qu'il y, y a une certaine collusion entre les séparatistes tibétains, euh, les séparatistes du Turkestan de l'Est. Mm -hmm. euh, ils se mettent d'accord qu'ils veulent tous les deux l'indépendance et en plus, ils sont en faveur de l'indépendance de la Mongolie intérieure. Où il n'y a pas de mouvement séparatisme enfin donc ils voudraient diminuer beaucoup le territoire ah ben, de l'ensemble de la Chine ils vont réduire la Chine à la moitié de son territoire ça plaît bien aux États-Unis j'imagine euh, quelque chose sûr, comme ça bien sûr oui. bien sûr euh, oui donc là vous parlez des États-Unis euh, ce n'est pas un hasard que la campagne contre le Xinjiang a commencé il y a à peu près un an et demi c'est-à-dire au moment où euh, la guerre commerciale de Trump était en train de se développer euh, pleinement. La guerre commerciale s'est très vite devenue une guerre technologique et c'est en train de devenir une guerre froide où euh, ça se mène dans tous les domaines, y compris la propagande. La propagande autour du Xinjiang qui vient des États-Unis, ben, ça fait partie de la nouvelle guerre euh, froide. Mm -hmm. Alors, euh, intéressant aussi, c'est que... L'année passée, euh, les positions de, de l'Union européenne se sont rapprochées des positions américaines. Euh, L'Union européenne, en avril, a déclaré que la Chine est un concurrent systémique euh, pour l'Occident. Et fin décembre, donc il y a deux semaines, à peine deux ou trois semaines, le Parlement européen a voté une motion euh, concernant le Xinjiang. Mm -hmm. où il demande à la Commission de prendre des sanctions contre les responsables chinois euh, dans le Xinjiang, etc. Tout ça, c'est des mots creux, bien sûr, mais il demande également que euh, l'Union européenne limite et interdisent l'exportation de produits technologiques à double usage qui pourraient être on est dans la guerre commerciale là. On, critique Trump, on est dans mais la, on la fait guerre technologique lui. surtout ouais, on fait comme lui on fait oui. comme Trump en fait donc ils veulent utiliser mm -hmm. le Xinjiang euh, les droits de l'homme au Xinjiang comme prétexte pour empêcher la Chine d'acquérir des technologies c'est ça et voilà. bon ben ça c'est intéressant pour euh, l'aspect stratégique des des problèmes pendant qu'il y avait la carte, j'ai regardé un petit peu les questions que, qui étaient reçues. Une dame demandait notamment l'avis sur Taïwan, sur Hong Kong et sur le Tibet. Oui, c'est intéressant, ça nous, ça nous aimerait bien. Je signale que nous avons fait justement sur le Tibet un euh, Michel Midi avec André Lacroix, grand spécialiste du Tibet, que vous pouvez euh, trouver sur notre site dans Michel Midi. Et donc là, vous aurez la réponse. Sur Hong Kong, on a publié plusieurs articles. Et euh, sur le Xinjiang aujourd'hui, sur Taïwan, euh, c'est une question historique. Je vous répondrai séparément parce que on a pris beaucoup de retard avec mes incidents techniques du début et je ne veux pas vous, trop vous retarder. La, la stratégie, un mot sur le rôle de la Turquie dans tout ça. La Turquie, elle cherche quoi là elle veut augmenter son territoire. Elle utilise les terroristes. Est-ce que c'est Erdogan Est-ce que c'est d'autres forces euh, La Turquie joue un rôle ambigu. Je crois que en Turquie, il y a la droite, l'extrême droite qui est pan Turque, donc qui mm -hmm. rêve toujours d'un grand empire turc en Asie centrale. Il mm ne -hmm. faut pas oublier que les Ouzbeks, les Kazakhs... Euh, les Turkmènes, c'est tous des peuples turcs. Oui. Euh, donc il y a un mouvement euh, pan-turc en, euh, en Turquie. Maintenant, le gouvernement turc, lui, euh, il est beaucoup plus prudent Erdogan est beaucoup plus prudent. Parce que la Turquie a des bonnes relations avec la Chine, des bonnes relations euh, commerciales, etc. Les États, la Turquie est toujours dans l'OTAN, toujours oui. en principe assez proche des États-Unis, mais de plus en plus de contradictions. Oui. Donc Erdogan, il joue un peu sur les deux tableaux. Ah, oui. oui. C'est quand même à travers le territoire turc que sont passés tous les terroristes qui ont attaqué la Syrie, la Chine et d'autres pays. Effectivement, les, les, les Ouïghours voyagent. Euh, la, en, en Turquie, et de là, il passe en Syrie, et, et c'est par la Turquie qui rentre de nouveau en Chine. Euh, donc, c'est la Turquie qui a la clé de, de la porte d'entrée et de sortie, oui. euh, de, la sortie euh, de, la, de la Syrie et euh, de la Chine. Donc, c'est très important quand on regarde, donc, deux, quand pour on regarde la Chine. deux minutes la carte qui n'est pas oui. complète. On voit quand même que la Turquie se trouve, ben, à la devine là, elle est à gauche de tous ces pays, Tadjikistan, Afghanistan. Et donc, elle est à la fois le carrefour vers euh, l'Est, vers la Chine, vers le Tibet, vers les, le gaz et le pétrole de l'Afrique centrale, et à la fois le carrefour vers la Syrie et vers l'Iran, etc. Oui, C'est vraiment un oui, oui. pays stratégique. Oui, pardon pour le. Mais la Turquie, elle a également intérêt à avoir des bons rapports économiques euh, avec la Chine. Donc, mm -hmm. euh, il joue sur les deux tableaux. Et ça se voit dans, dans les déclarations politiques. Euh, au début de l'année passée, il y a un ministre, je crois que c'est le ministre de l'Extérieur, euh, qui a déclaré que le traitement des Ouïghours en Chine, c'était scandaleux, oui, etc., etc. Et puis deux mois plus tard, Erdogan est allé à Pékin et il a dit mais les Ouïghours sont très bien traités, ils vivent en paix, en prospérité, etc. etc. Okay. Donc, Donc c est, c est ça relativise beaucoup euh, les... La... Mais le fait, c'est que les Ouïghours passent toujours par la Turquie. Donc il faut voir si Idlib tombe. À ce moment-là, il faut voir ce qui va se passer là, avec les combattants Ouïghours. On a un peu l'impression, et pas seulement l'impression, des indications aussi à des sources US, que les États-Unis n'ont pas vraiment envie que toutes ces troupes de Daesh soient exterminées et qu'on a envie de les recycler. Hein. Mais là, euh, je vais apporter deux, trois éléments, parce que j'ai travaillé là-dessus, notamment euh, dans le dernier livre qu'on vient de publier avec euh, Saïd Boamama, La gauche et la guerre, où nous analysons pourquoi le mouvement anti-guerre a disparu, et euh, la, la capitulation, il n'y a pas d'autre mot, de la gauche européenne, la gauche dite radicale, je ne parle pas du PS qui euh, en 2003 combattait toutes les guerres des États-Unis, à partir de 2011 s'est mis à les approuver, à les réclamer même. Et donc on a un vrai problème avec ça. Et sur le lien entre les États-Unis et le terrorisme, vous savez qu'on est aujourd'hui le 9 janvier, c'est-à-dire le cinquième anniversaire de l'attentat contre Charlie à Paris, un acte ignoble, impardonnable. J'avais notamment beaucoup apprécié les contacts avec un des dessinateurs, Volensky, qui a été assassiné. Ce qui me tracasse, c'est que cet acte inexcusable, euh, on a caché les raisons profondes de ce qui s'est passé là. Et une raison très très importante, c'est que les États-Unis ont créé et utilisé... Pas toujours efficacement, parfois ça se retournait contre eux comme un boomerang, mais ont créé ce mouvement terroriste. Il faut quand même rappeler, comme je l'avais indiqué dans le livre Je suis ou je ne suis pas Charlie, que les. Euh, voilà, je vous le mets là, que c'est Brzezinski, sous la présidence Carter, qui a lancé l'opération Ben Laden en Afghanistan pour renverser un gouvernement de gauche, et que les États-Unis, avec l'Arabie Saoudite qui finançait tout ça, ont formé Ben Laden et compagnie. Il faut rappeler, ça je le dis dans le même livre, que les États-Unis ont réutilisé Al-Qaïda en Bosnie, en Tchétchénie avant de le faire ensuite en Syrie en 2011, en Libye en 2011 et puis en Syrie en 2011. Il faut rappeler ça je l'avais traité dans le livre USA, les 100 pire citations, parce qu'on en a un peu marre des traités de complotistes, donc le livre est basé uniquement sur des déclarations de hauts dirigeants des États-Unis, que le général Michael Flynn, qui euh, dirigeait les services de renseignement de l'armée sous Obama, avait euh, déclaré, en, il avait euh, démissionné, et il avait déclaré, je vous le montre, si le public savait, il, explosait de, il exploserait pardon de rage. Et si le public savait quoi Eh bien que Obama et Hillary Clinton ont organisé et financé l'opération euh, contre la Syrie et ont travaillé avec Al-Qaïda et avec des terroristes syriens. Et ça, c'est quelque chose qui était expliqué dans ce livre et que j'ai ensuite, euh, j'en cherche un extrait que je vais vous lire, j'ai euh, développé ça dans le tout récent livre dont je vous parlais, euh, à savoir la gauche et la guerre. J'ai un petit passage que je suis en train de rechercher où. Euh, ouais, j'ai un peu du mal puisque j'ai dû redémarrer, mais je vais le trouver. Le voilà. Euh, en fait, il y a eu une opération des États-Unis. Où la CIA a investi un million de dollars pour cette opération terroriste et les Saouds, qui ne peuvent rien refuser à Washington, ont euh, financé encore beaucoup plus. Et donc, je suis en train de chercher la citation qui est le 10 mai. Je ne l'ai pas, il faudra aller chercher dans le bouquin. Mais en tout cas, il y a des citations au plus haut au niveau des États-Unis qui disent qu'effectivement, ils ont financé et organisé cette arme du terrorisme, même si elle se retourne parfois contre eux. Donc, je pense qu'on devrait vraiment avoir une commission d'enquête sur le lien entre les États-Unis et le terrorisme, parce que on comprendrait beaucoup plus de choses par rapport à ça. Alors, l'Union européenne, tu le disais tout à l'heure, est en train de suivre la voie des États-Unis, et euh, là récemment, dans cette euh, assassinat de dirigeants militaires iraniens. Macron, Merkel, Johnson aussi ont dit qu'au fond, tout ça était la faute de l'Iran, même s'ils se rendent compte que ce que Trump a fait risque de provoquer une grande escalade. Donc, est-ce que l'Europe doit continuer à suivre comme ça, comme un petit mouton, les pires bêtises et les pires crimes des États-Unis mmh. ben, En ce qui concerne euh, euh, la Chine, euh, il faut quand même se dire que l'Europe euh, n'est pas contente avec la guerre commerciale de, de Trump, parce mmh. qu'il se tourne également contre eux. Donc l'Europe est plutôt partisan de de, 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 de marché vu, ouvert. Elle veut le commerce avec l'Iran. Ben oui, voilà. Donc ils sont pas tout à fait sur la même euh, ligne stratégique euh, que les États-Unis. Euh, quand je dis qu'elle s'approche de plus en plus des États-Unis, c'est parce que euh, elle a déclaré que la Chine est un concurrent systémique. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par cela Que non seulement la Chine devient un concurrent économique mm -hmm. pour les multinationales, mais que euh, en se développant euh, sous un système politique, social, mmh. idéologique différent de l'Europe, du, du néolibéralisme, du capitalisme, un système différent, elle offre une alternative. Mmh. Et si la Chine réussit à se développer, à devenir la première puissance économique, c'est un vont, défi les idéologique gens vont poser des questions. Ça. Ici. Et dans ce mmh. sens, l'Europe rejoint euh, les États-Unis. Mais pas pas dans tous les détails stratégiques. Mmh. Il y a de, beaucoup de différences que la Chine. Il préférait la manière plus habile euh, et intelligente bah oui. d'Obama pour le faire. Et, et, et donc euh, la Chine fait, fait une distinction entre les deux. Ça c'est clair. Mmh. Euh, je ne sais pas si j'ai encore mmh. le temps de dire quelques mots sur ce qu'on appelle ici les camps de concentration. Est-ce euh, en parle Ça me semble très nécessaire. On a beaucoup parlé des camps de concentration et on a, je cherche l'image, on a montré, il y a eu des reportages dans la presse belge et ici on a montré cette photo dans certains journaux belges. Un commentaire ben Justement, la Chine dit que c'est des centres de rééducation. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Les Ouïghours en général sont des gens euh, qui vivent dans des zones rurales. Mm -hmm. euh, le Xinjiang, c'est des déserts avec quelques oasis et des, des montagnes, mm -hmm. la haute montagne, et, et quelques villes. Et donc, en général, les Ouïghours vivent dans les, les oasis, dans les montagnes, ils sont pauvres, ils sont peu éduqués, par la peine les Chinois, et quand ils arrivent en ville, ils ont le, le, le boulot le moins payé. Et donc, on essaye euh, d'améliorer leurs conditions économiques. Hein? Et donc, ces centres de rééducation ont deux buts. Euh, premier but, c'est la déradicalisation, bien sûr, leur expliquer ce que c'est l'islam vraiment, mm -hmm. et, et que l'islam, ce n'est pas la Jihad euh, contre la Chine ou contre n'importe qui. Mm -hmm. Ça, c'est le premier. Et le deuxième but... C'est euh, le développement euh, social et économique, leur apprendre à mieux parler le chinois, ce qui améliore leurs chances euh, de carrière, leur apprendre des connaissances, euh, des capacités professionnelles, euh, ce genre de choses-là. Donc des centres d'éducation, de, au fond. Euh, alors. Les journalistes sont allés sur place, ils ont vu tout ça, ils ont parlé avec ces gens-là, et puis ils ont montré ces photos-là. Et puis quelques jours plus tard, et, et, hop, ça disparaît. Et oui. qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui On montre, aujourd On montre, On montre ceci ça qui a circulé partout, qui a une prison. C'est clairement une prison. Oui. Alors cette photo-là, d'où est-ce qu'elle vient C'est une photo, une photo distribuée par les autorités chinoises, qui date d'un an ou deux ans plus tôt. Euh, lorsque dans un endroit reculé, on a organisé quelques événements euh, propagandistes euh, pour expliquer que, euh, ce que c'est l'islam, etc., etc., qu'il ne faut pas être terroriste. Et donc, euh, ils ont fait ces événements dans quelques villages et également dans la prison. Et donc, on a distribué des photos des villages, de la prison, et c'est la, la photo du prison qu'on reprend maintenant pour suggérer que tous les gens qui sont dans les centres de rééducation vivent comme ça. Et donc, c'est ça la suggestion euh, que l'on fait. Alors que c'est en fait des internats où les gens peuvent régulièrement rentrer chez eux et où ils reçoivent vraiment une éducation qui leur permet de vivre mieux après. Donc, on a l'impression que tous ces documents photos qui ont circulé, moi j'ai entendu des gens me dire mais regarde il y a des photos dans le journal donc c'est vrai ah oui. on a l'impression qu'il y a vraiment un traficotage manipulage ah bah des, oui, bah des oui. documents visuels bah oui il y a des prisons au Xinjiang, bien sûr il y a en des Europe, prisons en Europe il y en a aux États-Unis aussi et il y a des gens qui ont été condamnés pour terrorisme mm -hmm. et qui sont en prison donc on peut montrer des photos de prison mais il ne faut pas les mélanger avec des centres de, de rééducation d'accord euh, d'ailleurs il y a un, un aspect intéressant aussi euh, ces centres étaient obligatoires pour euh, les gens condamnés et pour ceux qui étaient euh, suspects d'avoir de, mmh. des sympathies pour le terrorisme, le radicalisme, etc., etc. Donc il y avait aussi des gens qui n'ont pas été jugés par un tribunal qui ont quand même été obligés euh, de recevoir cette éducation. Okay. Dans le cadre de la politique de répression du terrorisme ou de prévention ça, du terrorisme. C'est ça. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que fin, fin novembre, euh, les responsables de la région ont déclaré que tous les programmes euh, obligatoires étaient terminés, finis. De mm -hmm. avant, ils continuent seulement avec des gens qui, Volontaire. qui participent volontairement. C'est terminé, on, Mais on cette entend ça. Mais n'est pas passé ici. Très rarement, on entend ça. mieux, on dit que c'est un mensonge. Parce qu'on ne va pas retourner les internés. Ben bah oui, il y en avait beaucoup moins que ce qu'on dit, alors on ne sait pas en voir retourner beaucoup non plus. Mais donc, euh, le programme est bel et bien terminé. Mm -hmm. On ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que les Chinois se sont réalisés que obliger les gens à suivre des cours, ce n'est peut-être pas la meilleure... C'est possible qu'ils ont fait une autocritique. Mm -hmm. Mais enfin, l'essentiel, c'est que euh, le système, tel qu'on le décrit ici, euh, obligatoire n'existe plus. D'accord. Alors, on va bientôt clôturer, mais j'ai encore une chose importante à vous annoncer pour un Michel Midi spécial euh, Algérie. Restez avec nous. On a reçu plusieurs questions. Il y a notamment Younous qui a dit qu'il y avait une mosquée vieille de 800 ans qui avait été détruite. J'ai entendu parler de ça. Oui, j'ai vu, on montre une photo aérienne, on, et puis on dit c'est une vieille mosquée, et puis on montre une deuxième photo où la mosquée a été détruite. Mais mm -hmm. ben, on ne montre jamais les photos de toutes les nouvelles mosquées qui sont construites. Mm -hmm. euh, si si l'ancienne la, 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 mosquée est en train de s'effondrer, ben, on la démolit, on en construit une nouvelle. Donc c'est de nouveau une information euh, partielle sortie de, de son contexte. Moi, je voyage souvent en Chine et je vois, euh, pas uniquement au Xinjiang, mais partout en Chine, qu'on euh, construit des, des très belles nouvelles hein. mmh, mosquées. Oui. OK. Euh, je prends encore en vitesse deux, trois autres questions et remarques. Euh, IFAC nous dit, je ne sais plus où me placer par rapport à toutes ces révélations. Je crois que c'est chouette de dire les choses franchement comme ça, sans crainte. Je crois que c'est un peu le but de Michel Midi, de provoquer des réflexions, d'apporter une autre vision. Après, on ne vous demande pas de suivre nos invités à 100% et aveuglément, surtout pas. Réfléchissez, comparez, mettez en question, n'hésitez pas à poser vos objections. Ce que je constate, c'est que de, depuis la guerre froide entre les États-Unis et la Chine a commencé mmh. à, à s'intensifier, disons, depuis à peu près deux ans. Qu on voit aussi une intensification de la propagande. Mmh. C'est clair, et qu'on répand de plus en plus de mensonges grossiers. On, on raconte n'importe quoi. Mmh. Euh, je crois que ça va ensemble. Hein. C'est oui. la guerre dans tous les domaines, sauf, voilà. sauf euh, euh, la guerre chaude. Quoi. Guerre économique, politique, militaire, oui. culturelle, donc il faut se méfier de la guerre oui. de l'information. Oui. Euh, voilà une bonne leçon. On nous demande comment peut-on se procurer vos livres en Algérie. Eh bien, Saïd Bouamama dont je viens de parler, dont je vais encore parler, euh, se rend en Algérie dans quelques semaines. Donc, je crois qu'il en aura avec lui. Contactez-nous si vous voulez le rencontrer. Euh, on nous demande nos avis sur d'autres médias, mais on va devoir bientôt euh, clôturer. Euh, plein de questions intéressantes. On va essayer de répondre individuellement pour ne pas euh, trop rallongé, surtout avec le retard qu'on a pris au début avec les problèmes techniques. On va euh, passer aux annonces. La prochaine émission, c'est Où va l'Algérie avec euh, Saïd Bouamama dont je parlais, le co-auteur du livre La gauche et la guerre. Euh, Saïd Bouamama euh, est algérien. Il vit à Lille, il est en contact régulier avec ce qui se passe là-bas et nous allons analyser justement dans le contexte global, on va parler aussi bien entendu Iran, Irak, USA, Chine, mais on va analyser euh, quelles sont les voies qui s'offrent à l'Algérie, quels sont les dangers, quels sont les espoirs. Euh, je voulais euh, vous dire que nous allons euh, nous... Lançons votre... Euh, Excusez-moi, un peu de fatigue pour le moment. Je voulais vous dire que l'appel au soutien financier que nous avons lancé se déroule bien. Vous avez déjà été très nombreux à nous répondre. Et on avait donc un objectif d'avoir 2500 euros mensuels en plus pour faire une nouvel, nouvelle embauche. Et me soulager de beaucoup de travail de secrétariat d'administration derrière investigation et pouvoir me consacrer à certains voyages, à certains reportages et aux prochain livres. On est déjà, me dit Federica ce matin, près de 1800 euros sur 2500. Donc on espère que grâce avec vous, on va atteindre l'objectif. À la fin, je vous passerai une petite vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, avec les indications sur cette campagne. Euh, un petit mot de conclusion, Franck, sur toute cette guerre de l'information. Qu'est-ce qu'on attend des gens Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Comment est-ce qu'ils peuvent éviter de se faire piéger bah, Ce qu'ils peuvent faire, euh, c'est consulter peut-être des médias chinois. Il euh, y a des, des médias chinois disponibles en anglais, en français dans d'autres langues aussi, mais essentiellement en français, en anglais. Et où trouve-t-on ça oh, Sur l'Internet, il euh, y a l'agence Sinois, l'agence de presse, il mm -hmm. euh, y a son site, il y a le journal euh, du parti, le, le journal du peuple, donc, il mm -hmm. euh, y a le journal du gouvernement, le China Daily, euh... bon, il y a encore le, le Global Times. Mm -hmm. Et en Belgique, en France, il y a des sites qui travaillent sur la Chine. Euh, en Belgique, il ben, y a notre site China Square qui est malheureusement euh, uniquement en néerlandais. Voilà un appel euh, pour des Belges alors qui peuvent Les médias français, français. Je, je connais beaucoup moins, je mm -hmm. dois dire. Euh, il doit y avoir quelque chose, mais je peux vous conseiller d'aller voir, regarder la télévision chinoise. Hein, ils ont des programmes. En anglais, je ne sais pas s'ils si en ont en, Chine, en français, mais ils ont le, la CGTN. Mmh. Euh, C'est un programme en anglais qui est très bien avec beaucoup de, de documentaires et aussi des débats. Parfois, on, on invite des spécialistes pour débattre de, de, de toute une série de choses intéressantes. Voilà. Donc, il y a, euh, si vous ne trouvez rien en France ou en Belgique, euh, allez regarder. Euh, directement en Chine, vous allez voilà. trouver... Euh, Comme tout bon juge, euh, s'informer en écoutant les oui. deux parties. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir dans les médias asiatiques. Hein, euh, ok. Euh, On donnera plus etc. de détails pour ceux qui veulent oui. nous contacter. Franck, un tout grand merci pour être venu euh, sur le front de la bataille euh, de l'information. Et euh, à bientôt peut-être. Bien, merci Michel. Voilà. Je vous laisse pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, en compagnie de notre très court petit clip faisant appel à votre soutien pour Action puisse développer ces ce projet, projets. Et je vous donne rendez-vous vendredi à midi précise, cette fois-ci sans problème technique, j'espère, pour euh, Où va l'Algérie, où va aussi le Moyen-Orient, les États-Unis et tout ça, avec Saïd Bois-Mama. A bientôt. Bon, première assiette. 15 ans déjà. Ça commence à compter. Bon, la santé, ça va pas trop mal et j'espère rester de longues années le poil à gratter des élites et des lobbies. Mais la fatigue est là quand même. Et surtout, je veux préparer l'avenir. Il faut qu'InvestiAction puisse continuer après moi. Vous êtes nombreux à nous dire combien vous avez besoin de cette arme dans la bataille de l'info. Le capitalisme vert, c'est une arnaque. Il n'y a pas de solution dans le système. L'investigation existe depuis 15 ans déjà contre la guerre contre les médias mensonges contre toutes les injustices pour le droit à l'info j'ai été accusé par monsieur oh, je vous accuse pas du tout. Euh, mais je ne vous ai pas interrompu non mais je vous accuse j'espère avoir euh, le même traitement j'ai été accusé de la théorie du complot c'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent et vos grands amis ou les amis de votre patron, oh. Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot au Moyen-Orient. Les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. On ne peut. Pas... c'est toute une équipe. Aujourd'hui, nous avons trois permanents. Greg est le rédacteur en chef du site, responsable de la newsletter, un pionnier, il est là depuis dix ans déjà. David édite nos livres Investigation et grâce à lui, notre édition s'est fameusement développée pour vous apporter des livres permettant de comprendre les enjeux économiques et stratégiques, les médias mensonges, l'histoire et son impact actuel. Federica se charge de nous faire connaître, malgré la censure, d'organiser des conférences et de grands débats, développer les contacts avec vous, notre public, nos sympathisants. Nous avons aussi deux correspondants à Caracas, Ricardo et Jessica anime le journal Amérique latine en résistance. L Investigation, c'est donc une belle équipe de permanents, mais aussi de très nombreux bénévoles, et sans eux, nous ne pourrions pas exister. Mais nous avons quand même un grand problème financier. Nous sommes tout juste en équilibre, et seulement parce que je remplis sans toucher de salaire beaucoup de tâches. Direction, coordination, finances, beaucoup de courriers, et même pour le moment, faute de moyens, le secrétariat. Ça m'empêche de consacrer mon temps. À rédiger des livres très en retard sur des thèmes que je crois importants la gauche et la guerre, l'Empire Soros, le prix du sang, pourquoi et comment boycotter Israël. Et tout d'abord, Investi Action veut engager un ou une secrétaire, mais pour embaucher, nous devons absolument augmenter notre budget. Aidez-nous à garantir l'info indépendante en devenant ami d'Investi Action. Le don mensuel nous garantit des revenus stables pour embaucher de jeunes journalistes. Le don ponctuel soutient un projet précis. Vous pouvez bien sûr choisir votre mode de paiement préféré. Nous comptons sur vous. La bataille de l'info, ça sera pas du gâteau. D'avance, un tout grand merci.